Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après la 991 GT3 que j'ai pu essayer sur le circuit de Mété. C'est aujourd'hui une Nissan GT-R que je tiens à vous présenter. Alors je tiens à vous rassurer de suite, je vais présenter des voitures dans le futur un peu plus profondément, de l'extérieur, de l'intérieur. Donc pour ça, faites ce que vous avez à faire pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de partager. Je vous dis à tout de suite. Alors, ce que je peux dire sur la Nissan GT-R, c'est que c'est une voiture extrêmement polyvalente. C'est vrai que quand je l'ai essayé, j'avais une appréhension qu'elle soit trop lourde parce que finalement, c'est une voiture plutôt bombée de l'extérieur. Donc, j'avais cette appréhension, mais il n'y a rien à faire. C'est une voiture extrêmement polyvalente, tout autant que la 991 GT3 finalement, mais tout simplement avec plus de puissance. Donc, forcément, ça fait la donne. Je suis très content parce que faut savoir que c'est une voiture qui coûte 120 000 euros et qui peut finalement rivaliser avec des voitures qui coûtent 300 000 euros, des Ferrari, des Lamborghini, etc. Donc c'est une voiture qui peut être une voiture très facile à conduire en ville et finalement un vrai bolide sur circuit. Donc pour ça, j'ai été extrêmement content, pas déçu, vraiment, c'est encore mieux que ce qu'on m'avait dit et mieux que ce que j'espérais finalement. Donc voilà mon essai de la Godzilla sur le circuit de Mété. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à partager. Je vous assure que la prochaine vidéo sera encore plus lourde. J'ai réussi à tester une voiture encore plus puissante et là je suis allé à plus de 200 km/h. Donc je vous rassure, ça s'annonce lourd. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.